Nous avons estimé devoir être là en face de vous, monsieur le préfet, de vive voix pour vous dire merci encore une fois. C'est toute la délégation officielle sénégalaise qui est représentée ici. Cela témoigne encore les liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Monsieur le préfet, je ne trouve pas les mots pour qualifier encore une fois cette relation qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais l'histoire, la géographie nous lie. Nous avons les mêmes habitudes culturelles, mais aussi nous avons les mêmes habitudes hospitalières. Monsieur le préfet, la communauté sénégalaise ici présente est fière de vous, est sensible de tout le soutien aussi intelligent que de vieux que vous avez toujours apporté à cette même communauté. Mais ici encore, monsieur le préfet, nous profitons de cette occasion pour dire merci et encore merci à monsieur le gouverneur de la région de Yamoussoukro. Merci, merci infiniment. Madame la représentante du ministre des Sports du Sénégal, monsieur le représentant de la Fédération sénégalaise de football, monsieur le président national du 12e KND, monsieur le président de l'amicale des Sénégalais de Yamoussoukro, monsieur le président du 12e KND Yamoussoukro, chers frères et sœurs du Sénégal, je voudrais, au nom du préfet de Yamoussoukro, vous saluer, vous souhaiter encore à Kouaba à Yamoussoukro. Merci beaucoup. Ce soir, je suis avec vous pour porter, au nom du préfet, un message de fraternité. Parce que depuis la nuit des temps, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours été des pays frères. Donc, bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire. Bon séjour chez vous en Côte d'Ivoire. Le préfet m'a également demandé de vous rassurer quant aux conditions de sécurité de votre séjour. Ce matin, nous avons échangé largement sur la question et les dispositions sont prises pour assurer votre séjour, votre sécurité pendant, du moins avant, pendant et après le match du lundi. Parce que je l'ai dit, la Côte d'Ivoire et le Sénégal font un. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont suffisamment claires. Et ce matin encore, on le disait, je crois que la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire, c'est l'une des meilleures communautés. Et la preuve a encore été faite cet après-midi. Nous avons vu une ambiance féerique qui présage d'un très beau match. Je l'ai dit également, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, le vainqueur, ce sera toujours l'Afrique de l'Ouest. Ce sera la fraternité africaine. Ce sera le bonheur pour chacun de nous. C'est le message que je préfère demander de vous porter cet après-midi. Et vous appelez également demain à une marche. On a décidé, Ivoiriens et Sénégalais, de marcher ensemble pour montrer au monde entier que nous sommes désormais un, comme nous avons toujours été un. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté. Demain matin, on vous attend ici à partir de 7h pour faire une petite séance de sport et montrer à chacun que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, nous sommes un. Merci infiniment.